Bonjour à tous, je m'appelle Olivia Garminck, je suis coach en performance féminine et j'aide les femmes cadres, chefs d'entreprise ou même coach qui ont un problème d'addiction au sucre ou à la nourriture à se libérer de l'addiction, à perdre du poids durablement, à gagner en énergie et du coup être toujours au top pour faire toutes les activités qu'elles doivent faire au cours de la journée. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'Olivier parce que j'ai suivi pas mal de coaching avec lui et j'avais vraiment adoré les coachings que j'ai suivis. Je me rappelle notamment d'un coaching par rapport à une analyse d'appel de vente. Je pensais avoir bien fait mon appel de vente, mais j'avais pas réussi à vendre. Et du coup, quand on a analysé cet appel de vente, je me suis rendu compte de toutes les petites erreurs en fait que j'avais faites qui cumulaient au fur et à mesure à effet que j'avais pas réussi ma vente alors que je pensais l'avoir bien fait. Et du coup, on a analysé plein d'expressions, plein de petits mots par rapport à ça. Et du coup, ça m'avait donné tellement de clés en fait pour comprendre où j'avais fait mes erreurs, où j'avais eu mes lacunes et surtout comment m'améliorer pour pouvoir après derrière closer, que ça avait été absolument génial. Une des choses aussi que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup chez Olivier, c'est son énergie. C'était vraiment important pour moi d'avoir un coach qui était vraiment dans la même énergie que la mienne, donc hyper dynamique, hyper souriant, hyper agréable, pertinent quand il fallait, mais vraiment avec cette bienveillance et cette transmission d'énergie qui faisait que vraiment ça vous motivait, ça vous donnait envie d'aller plus loin. C'était vraiment quelque chose qui était, voilà, c'est dès que je voyais les coachings avec Olivier, j'étais super reboostée, c'était vraiment top. Et je me rappelle aussi d'un coaching qui a été hyper fort pour moi, c'était un coaching justement par rapport à l'argent, parce que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à me placer sur le marché du high ticket. Donc je vendais mes prestations à des prix qui étaient beaucoup bas, beaucoup trop bas en fait. J'avais pas vraiment l'impression de me respecter, mais j'avais peur en fait de monter mes tarifs par rapport au fait de manquer de clients. Et j'avais beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport à mon éducation et compagnie. Et je me rappelle de ce coaching où vraiment Olivier m'a vraiment aidé à toutes les dézinguer au fur et à mesure par rapport aux questions pertinentes qu'il avait posées, par rapport aux révélations et aux déclics qu'il a créés. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé à assumer mes tarifs et à me placer justement sur le marché sur lequel je voulais me placer. Et du coup, forcément, mon chiffre d'affaires a augmenté, mes revenus ont augmenté et je me sentais beaucoup plus alignée avec ce que je proposais. Donc voilà, je pense que vraiment, c'est un coach qui est au top. Il est plein d'énergie, il est plein de bienveillance. Il est hyper pertinent dans ce qu'il vous dit au niveau du bullshit que vous racontez. Il va vraiment vous aider à vous rendre compte de ce que vous racontez. Il va vraiment vous aider justement à passer à l'action. Après, ça vous de faire le taf. Mais voilà, donc je pense que c'est vraiment un coach qui est au top. Et écoutez, allez-y. Si vous hésitez, mais allez-y parce que vous serez vraiment ravis de son accompagnement.